la petite vue du matin. C'est magnifique. Oh, c'est excellent. Wow. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on est à Magic Kingdom, c'est un petit peu l'équivalent de notre Disneyland Paris à nous, notre château. On est arrivé un peu plus tard que prévu puisqu'on a un petit bonhomme qui a un petit peu mal aux dents. Donc ça fait aussi partie du jeu d'avoir un bébé, etc., de s'organiser un peu différemment. Mais on réussit quand même à faire plein de choses. Il va aller se reposer un petit peu. Là, il fait un gros dodo. On va aller se faire Haunted Mansion, qui est donc la version de notre Phantom Manor à nous. On va vous montrer parce qu'il est complètement différent du nôtre en fait. Vous visualisez un petit peu le Phantom Manor de Disneyland Paris. Et bah voici Haunted Mansion. Et quand on vous disait que avec un bébé, tout peut arriver, et bah il est déjà réveillé. Ah, je me réveille. Oh là 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 là. On a complètement craqué, elle est magnifique. Haunted Mansion. Wow. Voilà, on est un peu plus près, c'est complètement différent de Phantom Manor. Foolish mortals to the Haunted Mansion. Ah là, moi j'adore là, je regarde partout là. On se fait une petite photo souvenir. Oui. Notre attraction préférée. C'est bon? C'est l'heure du repas, chérie. On y va, monsieur? On y va? Coucou! On a la bouteille d'eau, monsieur, il a mis son bob, il a mis sa crème solaire. T'es prêt? Ouais! Ça, c'est Lucas qui regarde les arbres. We're gonna go ahead and swing by this camp, pick up some supplies. This is Matilda. She's from Alabama. These guys are super smart. Is that so boring? C'était bien! Ah oui! Allez, encore! Encore! Allez, encore! Wouh! Coucou! Papa, il va te montrer le château de la plus belle princesse de toutes les princesses de Disney. La plus belle princesse, c'est Ariel! Waouh! Oh, moi je veux de la glace. Oh, oh c'est bon ça. Oh, ça me plaît. Oh, ça me plaît. Une lingette de bébé pour maman. Je crois qu'il en veut une. Ah, je pense qu'il faut le prendre. Oh oui. Alors ça, c'est le pied. Hein. Emmener bébé voir la plus belle princesse de la planète, derrière maman. She says, and Ariel gets all fucked.
Chérie, à ta copine. C'est beau, mon chéri. On est sorti, je viens d'avoir une énorme frayeur. Ce matin, en partant, j'ai mis de la crème solaire à Lucas en lui changeant sa couche. Et en fait, j'ai enlevé mon alliance pour lui mettre. Il était un peu énervé, il avait mal aux dents et tout. Donc, on a fait un peu ça dans la précipitation. Et là, en arrivant à la voiture, 36-15 ma vie, je me suis dit, j'ai perdu mon alliance. Et le là, stress. On vient d'ouvrir le coffre. Et genre, comme l'anneau du Seigneur des Anneaux, l'anneau unique est là. Je l'ai pas perdu. J'ai eu un petit peu peur. Vous allez connaître aussi bien que nous, hein. Nous voilà arrivés à la maison. Chérie, chérie, la grande question. Ce soir, on voit quoi? Des chevreuils, des biches, des ratons laveurs, des tricératops? Non, moi je veux voir un opossum. Elle veut avoir un popossum. On est rentré, on n'a pas croisé de popossum ou quoi que ce soit d'autre. Du coup, on va se cantonner d'une petite bête là qui fait des cris aussi. On dit bonne nuit. Voilà pour vous, maman Noël. Maman Noël, tu veux aller faire dodo? Oui. Alors effectivement, on se couche quand même plus tôt que d'habitude, oui. Comparé à il y a 2 ans où on a fait les parcs en long, en large, en travers, jusque tard dans la nuit. Il faut quand même savoir que derrière les vidéos, derrière les sourires de Lucas, derrière les blagues, etc., ça demande vachement d'organisation de venir avec un bébé, faut quand même pas se mentir. Avant de partir, il y a ceux qui nous ont dit qu'on était cinglés de prendre le bébé, genre en mode « ah, vous partez avec ». Et il y a ceux qui trouvent qu'on est courageux. Effectivement, faut vraiment, vraiment s'organiser. Et même nous, en étant organisés, bah, il peut encore tout arriver. Là, on est rentré plus tôt parce qu'on était un peu crevés. On devait aller voir un spectacle qu'on ira voir un autre jour. Voilà. Parce qu'on avait juste envie de se poser. On fait les choses en allant. Et puis, de toute façon, on s'adapte à Chouchou, donc il avait besoin de se reposer parce qu'il fait ses dents, alors du coup, il est un petit peu fatigué avec ses dents. C'est ça. Donc du coup, bah, on a changé nos plans pour qu'il puisse se poser. Et puis nous, on se pose, c'est pas plus mal aussi. C'est ça. Sur ce, on vous dit bonne nuit. Bonne nuit. Et à demain.